Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game Maker. On se retrouve aujourd'hui pour un nuage licorne. Ouais, la JDG Box Unicorn Edition. Donc, voilà, donc la c'est la JDG, Box licorne. Version licorne. Et donc, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, on était très surpris quand on essayait dans la boîte aux lettres, on s'est dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc. C'était un petit cadeau de JDG Box. Donc, remercie JDG Box, c'est très gentil. Et puis, si vous voulez la commander, faut pas hésiter à aller dans le lien dans la description. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout ouvrir pour faire deviner chaque objet qu'il y a dedans pour qu'il m'intéresse. Elle est trop mignonne, c'est que des unicorns. Et du coup, pour l'occasion, c'est un abonné qui nous l'avait offert. À part le manga, on a sorti notre pushing unicorn. En fait, d'habitude, il est juste au-dessus là. Ouais. Parce qu'on l'a mis dans le licorne. Il fait des passages comme ça des fois. Wouh! Voilà, en tout cas, si vous n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et des commentaires pour cette vidéo. Unicorn. Et donc, allez voir sur le site de JDG si ça vous intéresse. Je ne sais pas si elle est commandable encore. Je ne sais pas. Peut-être pour le mois prochain, s'il y en a tous les mois. Il y a, je sais des pas. Thématiques comme ça des fois. Il y a la premium, il y a la JDG normale, il y a des fois Harry Potter. Il y a eu des thématiques sympas. Et là, unicorn, c'est vrai que c'est original. Les licornes, j'adore les licornes. Bah, avec des licornes. Bah oui, c'est normal. Regardez, avec des licornes. Nous sommes au pays des licornes. Qu'est-ce que je te fais deviner en premier? Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. C'est quoi? C'est une licorne. Tu sais pas? Si, je pense. Alors, c'est un cosmétique. Un rouge à lèvres. Un baume à lèvres. Oh, c'est trop mignon. Ouais, mais quelle saveur? Tutti frutti. Non. Et tu devines? Fraise? Non. Framboise? Non. C'est pas un fruit rouge. C'est un truc rose, mignon, mou, qui fond dans la bouche. Tagada. Qui fond dans la bouche. Rose, gros, nuageux. Ah, je l'adore, ma papa. Oui, coton de candy. Oh, elle est énorme. Attends, je double, je vais la mettre. Donc, c'est une box spéciale Kim, hein. C'est pour ça que c'est moi qui ai fait deviner les objets. Ah oui, d'accord, c'est de la baume à lèvres, ok. Mais comment tomber? T'en mets comme ça? Ah vache, sans. Ouais, c'est ça, t'en mets et puis tu mets sur... Mais sur Bouchine. Ça brille. Ouais. C'est joli. Attends, j'en mets plein. Ça se voit pas. Ah non. Mais ça sent par contre. Ouais. Ça sent la barbe à papa. Ah, comme ça, je vais manger mes lèvres. D'accord, donc c'est une magnifique boule. C'est pour ça en fait là le petit sticker c'est pour pouvoir ouvrir. En fait il y a juste une petite ouverture là et hop on ouvre la licorne en deux. On ouvre les licornes en deux. Donc premier rendu licorne. En tout cas c'est super stylé, ça fait... Oh regardez c'est mon baume à lèvres. Bon allez, deuxième objet. Ah pardon, ah, regarde, non je vais regarder, je te promets. Qu'est-ce que je prends ça? C'est un... c'est un contenant avec des licornes, comme par hasard. Avec marqué dessus I want it all. C'est un contenant. Je l'ouvre. C'est un petit contenant. C'est un tout petit contenant que tu peux mettre dans un sac à main. Un petit sac. Non. Un tout petit pochette. Je dirais plutôt porte-monnaie, mais oui, on va dire ça si tu veux. Regarde. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, I want it all. J'ai compris it comme manger. Ah oui. Très I want it all. I want it all. Hey, trop mignon. C'est mignon. Et puis dedans, il y a des cours et tout. Hop. Voilà, j'ai rendu mon baume à lèvres. C'est très mignon. Ah bah ça, c'est facilement mettable dans un petit sac. Hein. Oui, bah c'est important. Ouais. Allez, ferme les yeux. Il y a plein de petits objets, alors ferme les yeux. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, bah oui, forcément. Porte-clés. Ah bah un porte-clés. Oui, avec une... licorne. Oh ouais. Je ne crois pas en... les humains. I don't believe in humans. Ah, c'est pas mal ça. C'est mignon. Attends, je vais montrer aux gens. Si, je l'ai montré déjà. Ben, je veux la remontrer. C'est mignon. Ouais, très mignon. Ah, j'aime bien en gomme en plus. Ouais, ça s'arrête bien, ça, ouais. C'est bien résistant. Ouais, parce qu'en plastique, des fois, ça peut licorne, casser. Licorne. Quand tu fais tomber en verre, c'est même licorne, pas la peine. Licorne, licorne. Ah oui, bah donc tu vas tout avoir. Hein. Tu vas avoir une décoration licorne. C'est vrai? C'est un... Comment je pourrais te faire deviner? C'est utile. C'est utile, c'est pas forcément décoratif. En l'occurrence, ça l'est. Des ciseaux. Ouais, c'est trop utile, c'est pour mettre sur une valise. Ah, un porte-étiquette valise. Avec une... licorne! Ouais! Oh, elle est trop belle! Elle est stylée, hein. Ah, elle est trop belle. Oh, je vais mettre ça. Je vais changer de mon truc en cuir... Noir. Noir.
Ah, elle est trop bien. Elle est stylée, hein. En plus, elle est pas rigide, pas trop rigide. Elle est en gomme, mais... mais semi-rigide. Mais ah, elle est trop belle. Oh, bah, oh, je vais mettre direct sur la valise. Donc, tu as recopié le porte-monnaie. En plus, ma valise, elle est rose. Des licornes. Allez, celui-là. On continue. Ben, forcément. I don't believe in humans. Donc, c'est un contenant. Une trousse. Qui va dans la cuisine. Dans lequel on met du chocolat chaud. Ah, une tasse. Un mug. Ouais, avec dessus. Une licorne. Non, 3 licornes. Ah oui. Ah, du coup, elle va avec le porte-clés. Regarde, même la poignée, il y a des étoiles dessus. Ah ouais, c'est trop belle. Regarde, la petite boîte est mignonne. Ah ouais, trop mignon. On dirait un peu My Little Pony. I don't believe in humans. Encore un mug, ouais. Newborn China mug. I don't believe in humans. D'accord. Très mignon. Encore. Design in the UK. Donc, tu peux mettre au micro-ondes et au dishwasher. Ah bah oui. Au lave-vaisselle. Il est beau, hein? Ouais, très joli. Tout est rose pastel, donc je vais faire une miniature okay, super rose pastel, trop mignonne. Et tu vas mettre avec une licorne, kawaii. Comme ça. Ah bah le... Bah je sais plus où mettre, attends. Le papier de la JDG... Ah non, un stickers. Le stickers qui a collé sur la JDG box. Ah yes. Regarde, il est mignon. Avec la grosse licorne. Ah ouais, licorne. Trop mignonne. Bah c'est le même, mais on peut le coller ah oui, on peut le coller. Ouais, le coller sur sa tête. MDR. Ferme les yeux. Oui. C'est un petit truc. On dirait un paquet à allumettes. Ah. C'est pour mettre des trombones. Non. Ça a la forme d'un paquet allumettes. Ouais. Un paquet d'allumettes, sauf que dedans, c'est pas des allumettes. Tu sais, les petits paquets d'allumettes d'hôtel. Oui, oui, je vois, ouais. Ah oui. Et dedans, c'est... Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait rentrer dedans? C'est pour les ongles. Ah bah, un kit à ongles. Non. Ah bah des faux ongles. Non. Des nail art patch. Non. Du vernis à ongles. Non. Un coupe ongle. Ah, un gratte ongle. Un je sais plus comment ça s'appelle. Bah des limes à ongles. Ah, des limes à ongles. Mais avec une licorne. Et arc-en-ciel. Oh, elles sont trop mignonnes. C'est des mini limelons que tu peux détacher comme des clopes. Comme des... comme des... des allumettes. Des allumettes. Comme des clopes, n'importe quoi. C'est trop mignon. C'est mignon, hein. Il y a un bloc-notes, tu sais, avec les... Tu peux enlever. Ah bah tiens, c'est un... T'as ah encore bah le encore. Truc. Mais là, c'est en version carton. C'est une carte postale. Ouais. Les licornes. I believe in licorns. Je crois en les... Ah, là, c'est encore des petits trucs. Ah. Un sachet mystère. Avec dedans une figurine. Non. Ah, il donne une figurine. Qu'est-ce d'une que licorne. C'est comme figurine? Ouais. Mais. D'un univers connu. D'un univers connu? Pushin? Bah non. Hello Kitty? Non. Un univers connu? Ouais. Bah, le loup, mais je sais pas où ça s'ouvre. Ah. Dans quel univers il y a des licornes? My Little Pony? Bah oui. Ça et c'est. Swanky Hank. Oh bah je sais pas qui t'es toi. Merde, c'est même pas une licorne. Mais c'est pas une licorne. On aurait pu avoir une licorne ou pas? Mais c'est un poney. Ah, on aurait pu avoir. Il y en a qui essayent, là c'est des licornes. Ah. Là c'est pas des licornes, mais c'est un poney rouge. On a eu un poney. Voilà. Un poney rouge de My Little Pony. J'ai un poney rouge de 13 ans. Là, 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 c'est un bonnet normalement. Oui, je sais. C'est non, c'est un gros nez en plus. Un gros nez. Ah, c'est stylé. Je sais pas lequel montrer. Alors. Il y a encore deux trucs, deux gros trucs. Il y a un truc qui est stylé. C'est pour ta collection. C'est une peluche? Non. Pour ma collection? Ouais, tu peux écrire dedans. Oh, c'est un carnet de notes. Oui, un carnet avec quoi dessus? Une licorne. Oui, mais un carnet en peluche. Oh, oh, c'est le plus beau des carnets. C'est un notebook. Il est trop beau. Ah, c'est le plus beau des carnets que j'ai vu. Il est trop beau. La trousse du carnet, quoi. Ça va prendre la poussière. Oh oui. Et dedans, c'est comment, du coup? Ah bah, c'est tout blanc. Ah non, il y a des petits traits. Il y a des étoiles. Des étoiles. Et des licornes. Et tu écris entre les... Au lieu d'écrire entre les lignes, tu écris entre les étoiles. Entre les étoiles. C'est trop beau. Ah, c'est trop mignon. Ah, ouais. Ouais, comme ça, quand t'es fatigué, quand t'es en cours, pouf, tu dors. Ouais, ça fait... Ouais, c'est un peu moelleux. Ouais. Il y a moyen.
C'est mignon. Ah oui, c'est trop mignon. C'est le plus beau des carnets que j'ai. Il est trop mignon. Ouais. Et du coup, pour le dernier objet. Vas-y. Attendez, qu'est-ce que ça pourrait être? Une. Peluche. Une. Et là, c'est quoi? Ça représente quoi? Une licorne. Ouais, et c'est. Un truc qu'on n'a pas souvent. Qu'on n'a même jamais eu, je pense. C'est un truc trop stylé qu'on pourra sûrement mettre dans le décor. Bah, une figurine. Parce que j'aime bien ça. Parce que j'aime bien ça. C'est une figurine? Faut juste trouver. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est une lumière. C'est une lampe. Comment t'as deviné? Bah, j'ai entendu un petit clip. Ouais, bah attends. T'es peu ouvrir les yeux. Ah, c'est trop mignon! C'est une licorne qui fait de la lumière. C'est une veilleuse licorne. C'est une veilleuse licorne, on pourra mettre ça dans la chambre. C'est mignon. Ah, c'est trop mignon. Vous ne voilà. Voyez plus rien. C'est arc-en-ciel. Mmh. Coucou, moi je suis là. Ouais. C'est moi. T'as fait tout si, tu peux te montrer là. Bonjour, je suis Guillaume. Ha. Mais en tout cas, c'est joli. C'est hein. Trop mignon. C'est ouais, trop c'est mignon. Super mignon. Donc ça fait. Et puis on peut l'éteindre si on veut. Oui. Et comme ça, vous voyez plus rien. Ouais. Donc l'icône arc-en-ciel. Voilà, le jour est revenu, donc attends, on peut l'éteindre. Ouais, c'est bon, je l'éteins. Donc dans cette petite boîte. Bah, avec dis marqué, donc. Unchained Pony Unicorn. J'ai plein de licornes. Mais en vrai, elle était vachement remplie. Hein. Ouais, elle était vachement remplie. Donc on a eu le petit carnet licorne tout doux pour les cours. Ouais. On a eu ça pour les vacances et pour le voyage, pour la valise. Ouais. On a eu un petit porte-clé. On a eu un mug licorne. On a eu, parce que tout est tombé pendant que je faisais nuit. Ouais, j'ai une licorne. On a eu. Là, le sticker de la JDG Box licorne. Une figurine Little Pony. Un sachet licorne avec un baume à lèvres licorne. Et une petite veilleuse. Et une petite veilleuse licorne, bah dis donc. C'est trop mimi. Je vois la vie en licorne. En tout cas, il faut nous dire si vous appréciez ce petit unboxing. Quel item vous avez préféré? Mon item préféré, c'est les licornes veilleuses. Bah ouais, moi c'est le carnet. Et j'aime bien aussi le truc de voyage. C'est super bon. Carnet. Ça et ça. Voilà. En tout cas, c'est une petite box marrante qui change de ce qu'on ouvre d'habitude, puisque une thématique complètement différente. Ah bah, d'habitude, on ouvre du geek et du japonais. Non, et là, on va faire du kawaii pastel arc-en-ciel. Ouais. Vous allez voir, notre miniature est trop. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Carrément. Et puis, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut. Salut.